Je m'appelle Elodie, je suis en Dost 2. J'ai choisi le texte de la sensation d'élasticité lorsqu'on marche sur des cadavres de Matej Wiśniewski. Et je l'ai choisi parce que c'est une pièce qui rend hommage à UNESCO. Beaucoup le théâtre de l'absurde, mais ce n'est pas que du théâtre de l'absurde en fait, puisque c'est aussi une pièce engagée qui parle de la dictature en Roumanie, de la censure, de la liberté d'expression, mais surtout comment échapper à une réalité sordide grâce à l'art en fait. L'art comme moyen de transcender la réalité. Camarades, camarades, voici 3 ans que le parti a créé notre école nationale de littérature. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de tirer à la fois un bilan et de fêter la première promotion d'écrivains socialistes sortis de cette école. Le festival 3 jours et plus, c'est beaucoup beaucoup de partage, de rencontres, et c'est source d'une très grande richesse, on apprend beaucoup, et c'est un moment vraiment convivial. Oui, c'est la fête de... On avait mangé comme des cochons, poussés par un appétit monstrueux. On avait connu la jouissance suprême. Et maintenant, nos bouches se reposaient, quoique encore avides d'arômes. Festival 3 jours et plus, un festival amateur pour des jeunes étudiants de toutes filières confondues qui désiraient faire du théâtre cette année. Et donc c'est un festival qui nous permet, nous, en tant qu'élèves de deuxième année, de troisième année de Dost, de théâtre, de créer un atelier tout au long de l'année, de la pièce de notre choix, avec des étudiants volontaires. Ouais, Yana, voilà, bon, tu seras plus dans le jeu, dans l'acteur, les yeux, tu vois, n'hésite pas à en faire plus. Le changement de genre, enfin, t'étais pas trop bien à l'aise, c'est ça, ouais, voilà, attention à nos choses. Je m'appelle Faustine Guégan, je suis en deuxième année de Dost Théâtre à Aix-en-Provence, et donc je monte la pièce La mort de Tintagiles de Maurice Metternach. J'ai été étonnée. Je sortais ce matin pour voir si le soleil se levait sur les monts et c'est toi que je vois sur le seuil. Je t'ai reconnue tout de suite. J'ai pris cette pièce parce que c'est une pièce marquante pour moi. Quand j'étais au conservatoire à Toulon, j'ai adoré jouer cette pièce devant des gens. Et j'ai trouvé l'histoire très belle, qui parle de rêve, de réalité, d'imaginaire. C'est une pièce symboliste, et donc j'ai souhaité mettre aussi un peu un univers contemporain dans la mise en scène. Et voilà, c'est une pièce que j'affectionne particulièrement.
Louis Castellano Serafino, je suis en licence 3 art de la scène du spectacle à Aix-Marseille Université. Le texte, il s'agit de Visage de feu de Marius von Mayenburg, qui est un contemporain allemand. Pourquoi je l'ai choisi ? Alors, j'ai étudié cette pièce. J'ai étudié en fait la pièce qu'il y avait dans le recueil qui s'appelle Parasite, et j'avais lu, poussé par la curiosité, Visage de feu, parce que je me disais que le titre était un peu mystique. Je me disais, est-ce que c'est un visage de feu symbolique ou un visage de feu bien physique et réel? Et en fait, il s'agissait des deux à la fois, et ça m'a vraiment plu en lisant le texte. Je me suis retrouvé dans beaucoup de personnages, je me suis retrouvé aussi dans l'humour un peu de Mayenburg. Et ça m'a tout de suite plu, et quand j'étudiais Parasite, je me suis imaginé en train de monter Visage de feu, parce que j'avais plein d'idées pour cette pièce. Et en fait, ça a vraiment matché, on va dire, entre cette pièce. Mais si on décale la table, après, non. Je pense que eux, ça va les gêner d'être trop près du public, quoi. Ouais. Parce que là, pour le coup, quand le public est ainsi... Puis c'est plus galère de régler les octaves, même si moi, j'adorerais le faire. Et le truc, c'est que... Nous, ça nous arrange d'avancer la table. Ça nous arrange d'avancer la table, ouais. Oui. Mais sinon, ça fait... Sinon, en fait... Ça fait deux projecteurs à régler, plus t'es contre, quoi. Le bar, c'est pas très long. Enfin, c'est plus simple, en fait. Oui, c'est plus simple pour nous de régler un seul projecteur. Mais du coup, ça veut dire qu'on recule pas le panneau? Non. Ça, c'est bien. Alors, comment on la mettrait? Si je devais présenter le festival 3 jours et plus, je dirais que le festival 3 jours et plus, c'est une ouverture, en fait, qui marche dans les deux sens, autant pour les comédiens et ceux qui sont sur le plateau, les metteurs en scène et les étudiants d'Aix-Marseille Université et de la formation Art de la scène, autant que pour les spectateurs, parce qu'en fait, nous en tout cas, en tant que metteurs en scène amateurs, on est confrontés à ce que c'est vraiment l'élaboration d'un spectacle. Et en même temps, ça montre aussi à des gens qui n'ont... Parce que là, ça se fait aujourd'hui, en plus, ça se fait dans le théâtre de la Verrière, alors que ça se faisait avant au théâtre Antoine Vitesse. Donc, c'était une ambiance plus familiale. Là, c'est un théâtre d'Aix-en-Provence, de la ville d'Aix-en-Provence. Du coup, c'est une ouverture pour les gens, pour les Aixois, pour les personnes qui résident, de montrer ce qu'on fait. Et en même temps, nous, ça nous montre aussi que il y a une ouverture sur le monde. Ah, c'est bon, salut. Alors, en fait... C'est mon moment préféré du spectacle et j'ai envie que ce soit bien. Voilà. Moi, c'est Théo Rocamora. Je suis en deuxième année de Dust Théâtre. Et donc, en deuxième année, on nous demande de choisir une filière, et parmi lesquelles la filière formation, qui est la mienne, celle que j'ai choisie. La filière formation, elle consiste à animer un atelier amateur de toutes pièces. Dans le cadre de l'association Pratique Théâtre. Donc c'est des étudiants qui donnent cours à des étudiants. Du coup, en fait, je fais rien, mais je suis super concentré. Okay. C'est ça, le travail de metteur en scène, je crois. C'est une arrive, il fait... Et voilà. Non, pas lui, le prochain qui arrive, celui qui aura une perruque. D'accord. Le texte, c'est Les Cancans de Goldoni. Alors, Les Cancans de Goldoni, c'est une pièce donc du répertoire classique italien, donc de Carlo Goldoni, qui est un peu le Molière italien, là, un tout petit peu plus tard. Du coup, si j'ai choisi Les Cancans, c'est que je voulais faire du théâtre italien, je voulais faire du Goldoni. Le problème, c'est que les pièces de cette époque, elles sont très souvent... composé très majoritairement d'hommes. Et je sais que la fréquentation de l'association et les gens qui font du théâtre à la fac, bah, c'est plutôt 50-50. Et je voulais pas me retrouver avec des pièces type Harlequin, serviteur de 2 mètres, où t'as deux rôles féminins, l'amoureuse et la soubrette. Donc Les Cancans, c'est une pièce de Goldoni où il y a 6 rôles féminins. Et sur 13-14. Donc mon choix s'est porté dessus principalement pour ça. On va avoir la musique sur le PC, on aura juste à mettre play. Oui, oui. Donc il n'y aura aucun souci, parce que là c'est le téléphone, c'est normal. Allez. Un festival 3 jours et plus, c'est un festival amateur. Et c'est très important, le théâtre amateur. Et surtout c'est un festival avec beaucoup de jeunes amateurs. Donc c'est des gens qui sont encore en formation de leur côté, et des gens qu'on sort, la plupart d'entre nous, on sort à peine de l'adolescence.
et c'est important de montrer maintenant ce dont on est capable à peine arrivé à l'âge adulte. Je pense que c'est ça pour moi l'un des enjeux les principaux, c'est le théâtre amateur et la passation quelque part.